សូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គមេរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាកិច្ចបន្តសូមអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីបន្តធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានេះដោយរបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញ Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mettez-vous. Je veux donc effectivement continuer sur ce que j'ai appelé le contexte du Kampuchea démocratique. On a parlé de la terreur, on a parlé du secret. Nous devons évidemment parler comment pourrions-nous évacuer ce point de la question de l'obéissance et de la discipline telle qu'elle ressortait une fois encore des statuts du parti. Article 2, toujours de ces statuts, devoir des membres du parti respecter la discipline en quart du parti sans condition. Sans condition et avec haute conscience. Alors vous vous souvenez qu'on est venu souvent sur ces questions avec les experts ou les consultants. Vous vous souvenez ce que David Chandler a dit à cette audience. Mais aussi ce qu'il a écrit dans son ouvrage. À la page 171, au début du deuxième paragraphe, pour les interprètes, c'est la page 17 de mon mémoire. Il est aussi facile de juger trop sévèrement les interrogateurs, les gardes ou les bourreaux. S'ils désobéissaient aux ordres, ils étaient sûrs de mourir. Chandler qui parle. C'est pas Douk. Chandler qui parle. Et il ajoute, pour nous tous, sans avoir vécu une telle expérience, aucun d'entre nous ne peut dire comment il aurait pu se comporter s'il avait été lui-même interrogateur. Nous y reviendrons. Je veux citer aussi Craig Richardson, que j'ai interrogé sur cette question. Ma question était celle-ci. Puisque nous sommes sur ce sujet, celui du choix et donc de l'obéissance, est-ce que je me trompe en disant que dans le Kampuchea démocratique, si on faisait le choix de ne pas obéir, on avait quelques problèmes qui pouvaient aller jusqu'à la mort? Réponse. Sans aucun doute, maître. Cette question de l'obéissance va évidemment avec une autre. Mais alors, Douk, pourquoi n'avez-vous pas fui? Bien sûr, les juges d'instruction ont posé cette question. Bien sûr, les avocats ont posé cette question à Douk. Pourquoi n'avez-vous pas fui?
Sa première réponse a été une réponse de bon sens. Il nous a dit Koytou n'avait plus de pouvoir que moi. Il n'a pas pu fuir. Von Vett avait plus de pouvoir que moi. Il n'a pas pu fuir. Et on peut citer tous les hauts responsables qui sont passés par S21 comme prisonniers. Ils n'ont pas pu fuir. On sait que certains, et non des moindres, ont réussi à désobéir. L'histoire est là pour dire que celui auquel je pense et auquel nous pensons tous était proche de la frontière vietnamienne quand il a désobéi avec 5000 hommes pour passer à l'ennemi et venir par la suite chasser les Khmer. Duc n'était pas à la frontière. Von Vett n'était pas à la frontière. Duc avait toujours dit que il avait besoin d'un laissez-passer. Lui-même, le grand chef de S21, avait besoin d'un laissez-passer, y compris dans Phnom Penh. Alors, là aussi, reportez-vous à ce que dit Philippe Schoft à la page 430. Il fallait un fonctionnaire d'un ministère avait besoin d'une autorisation spéciale pour se rendre dans un autre ministère. Il fallait un laissez-passer spécial pour aller d'un quartier de la capitale à un autre. Il ajoute, les membres du comité permanent et Pol Pot lui-même devaient s'arrêter au poste de contrôle militaire. Un système de folie, de paranoïa. Si même les membres du comité permanent ont besoin d'un laissez-passer, que dire de Duc? Reprenez les déclarations chez les juges d'instruction. Maître Karsavut a posé la question aux gardes de S21 qui sont venus témoigner ici. Leurs réponses sont troublantes, tellement elles nous renvoient toujours aux mêmes questions de hiérarchie. Réponse de l'admin sur la question de Maître Karsavut. Nous n'avions pas la liberté de nous déplacer et nous devions faire très attention, car tout écart pouvait nous coûter une sanction. Et donc, nous travaillions dur et nous vivions en état de peur et nous pensions qu'un jour, on allait finir par être tués comme les autres détenus. Cependant, telle était notre mission à laquelle l'échelon supérieur nous avait affectés. Et par conséquent, nous devions nous conformer et nous en tenir à ses ordres. Qui oserait dire qu'il n'y avait pas à chaque étape un échelon supérieur qui donnait les ordres? Qui oserait le dire? Im Oi. Même si j'avais essayé de m'enfuir de S21, j'aurais été arrêté. J'en étais certain. Où est-ce que j'irais? Aller sur le territoire de l'ennemi? J'aurais été arrêté à ce moment-là. Et si on m'arrêtait? Ou bien si je m'enfuyais, qu'est-ce qu'il adviendrait de ma famille et de mes proches? Et vous retrouverez dans les réponses de l'accusé auprès des juges d'instruction
si j'avais fui, si j'avais tenté de fuir, ma famille aurait été immédiatement décimée. Qui d'entre nous peut dire ce qu'il aurait fait? Vous savez très bien qu'à S21, quand une personne était arrêtée parce que considérée comme traître, on arrêtait aussi les membres de la famille. Et donc, vous savez très bien. Un autre point que je veux aborder de front, sans le fuir, c'est la question de l'enthousiasme et du zèle. Je rappelle encore une fois les statuts dont Doug nous dit qu'il était obligé de les lire tous les jours. Et j'imagine que dans les séances d'autocritique, on devait dire si on avait lu les statuts tous les jours. Que dit l'article 5? Il faut posséder la notion et l'attitude de gestion du travail et avoir l'initiative de créativité autonome, le dynamisme et l'intensification bouillonnante continuelle. C'est-à-dire qu'il était demandé à chacun de faire preuve de cet enthousiasme qu'aujourd'hui les coprocureurs veulent reprocher à Doug. Mais enfin, Madame et Messieurs de la Chambre, vous avez vu comme moi ces films de propagande où l'on voit tous ces gens au travail pour construire des barrages. Vous les avez vus pleurer ou vous les avez vus dans l'enthousiasme et dans les chansons? Et vous voudriez reprocher à Doug de faire ce qui était demandé à toute personne. Le Chandler, une fois encore, lors de sa déclaration, en fait, ce qui était encouragé, c'était de travailler dans ce sens avec le plus d'enthousiasme possible. Hutchinson encore, le 27 mai, page 96 des transcripts en français. Tout ceci étant dit, le PCK a établi comme priorité l'obéissance, la discipline, ainsi que la stricte mise en œuvre de la ligne du parti, telle que définie par l'organe suprême du parti. Ainsi, j'avancerai que dans la plupart des endroits, la plupart du temps, les cadres faisaient de leur mieux pour mettre en œuvre la ligne du parti. Doug n'était pas autre chose qu'un de ces cadres qui faisait ce qu'il pouvait pour mettre en œuvre la ligne du parti. Rien n'autorise les procureurs à vous présenter, comme ils l'ont fait hier, Doug, comme quelqu'un qui était autonome par rapport à sa hiérarchie, qui pouvait s'affranchir de sa hiérarchie, plus encore, qui pouvait s'affranchir de la ligne du parti. C'est d'ailleurs bien ça son problème, je le répète, c'est qu'il a été un parfait élève, un parfait disciple de la ligne du parti, mis au point par ses supérieurs. J'aime bien, Monsieur le juge, la réponse qu'il nous a faite à propos d'M13, le 21 avril 2009. Et puis, vous a-t-il dit, quand je suis arrivé à Emlang, on m'a dit, le parti appelle ses enfants à remplir leurs devoirs. Là, c'est encore un jeune révolutionnaire, il y croit encore. Tu dois remplir ton devoir.
Et il ajoute, c'était un devoir. Et c'est eux qui procédaient aux arrestations. Et ils étaient responsables aux yeux du parti. Et je ne devais pas m'inquiéter, m'a-t-on dit. Et j'ai répondu, je ne veux pas tuer des gens parce que les enfants des paysans sont des bonnes gens. Et on m'a dit que les gens suivraient les ordres qu'on leur donnait. En gros, qu'est-ce que ces supérieurs disent aux jeunes révolutionnaires qui arrivent à M13? Il y aura quelques dégâts collatéraux dans la révolution, ça n'est pas grave. Tu vas en tuer quelques-uns, ce sont nos ennemis. Mais ce qui compte, c'est la révolution. Et François Bizot est témoin des souffrances intérieures, oui, de doute quand il se rend compte ce qu'au nom de cet idéal qu'il a épousé, ce qu'au nom de cet idéal, on lui demande de faire. Mais il y croit encore. Et je rappelle qu'à M13, où il n'a pas le centre du parti juste à côté de lui, à M13, il arrivera à faire libérer 7 personnes. C'est peu. Mais demandez aux enfants de ces 7 personnes, demandez à Hélène Bizot si elle ne peut pas aujourd'hui avoir quelque part de la reconnaissance parce qu'elle a retrouvé son père. C'est peu, c'est trop peu, mais c'est. Et je voudrais encore insister sur ce qu'on demandait à ces cadres, à ceux qui avaient embrassé le régime. On vous a parlé, les experts vous en ont parlé, de cette déstructuration de la personnalité. Écoutez encore une fois, Philippe Short, l'objectif ultime était de détruire la personnalité. Ouvrez les guillemets, page 410 pour les interprètes. Ouvrez les guillemets, cette carapace dure, agressive, tenace, qui est par essence contre-révolutionnaire, comme l'expliqua un cadre Khmer Rouge. La méthode préférée était une frappe chirurgicale destinée à éliminer l'individu qui, par opposition au peuple, défini comme l'incarnation du bien, passait pour la cause de tous les maux imaginables. La personnalité était, ouvrez les guillemets, une propriété de la bourgeoisie pour s'imposer sur les autres et écraser les masses. Avoir de la personnalité, c'est bomber le torse, porter la tête haute. C'est comme cela qu'on forme les impérialistes, des colons qui exploitent et massacrent d'autres peuples. Fermez les guillemets. Un Khmer Rouge, ajoute Short, devait s'efforcer de, ouvrez les guillemets, ne plus avoir de personnalité pour n'appartenir qu'à l'encart. Et donc, a suivi le modèle. Là aussi, je trouve sa déclaration du 28 avril tout à fait à l'image de l'homme que, pour ma part, je connais parce que je le rencontre depuis 2 ans et demi. Quand il vous a dit, donc, vous deviez, vous, en tant que personne, faire partie de la classe prolétarienne. Ne pensez pas à votre propre promotion.
Ne vous préoccupez pas de votre propre personne en ignorant les difficultés des masses. Quelle que soit votre classe, vous devez apprendre à faire partie de la classe prolétarienne. Voilà ce qu'il a appris, voilà ce que lui a mis en œuvre, voilà pourquoi je ne peux pas accepter qu'on dise que cet homme pensait à sa promotion. Il était trop discipliné pour ça. Je ne peux que le croire quand il dit « je ne voulais pas être chef de S21 ». Et d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes interrogé, messieurs les coprocureurs ? S'il était l'homme que vous dites, 3 ans à S21 sans aucune promotion, un simple commandant, jamais promu à un rang supérieur, comment vous expliquez ça? Si ce n'est parce que précisément ses supérieurs, ses maîtres avaient bien compris que cet homme était un obéissant servile et qu'il leur servait comme ça. Et lui avait bien compris que tout ce qui désobéissait à cette injonction du parti, c'est-à-dire que tout ce qui cherchait à monter, comme Nat par exemple, finissait de l'autre côté, AS21. Non, Doug n'a pas cherché à monter les échelons. Non. Doug n'a nullement cherché à faire partie des puissants de ce régime. Doug a cherché seulement à vivre. Un jour, quelqu'un a posé la question à un de mes compatriotes. En 1799, il s'appelait Monsieur Seyès. Et on lui a dit, qu'avez-vous fait, Monsieur Seyès, pendant ces 10 dernières années? Et il a répondu, j'ai survécu. Je crois que si on veut comprendre aujourd'hui Doug, et juger, c'est avant tout comprendre. Si on veut comprendre Doug, il faut intégrer tous ces éléments. Les psychiatres nous ont dit la désempathie, c'est l'incapacité à penser que notre est également différent de soi. Madame Sironi, ceci arrive quand le sujet lui-même n'a pas ou n'a plus conscience d'avoir une identité propre, du fait par exemple de la fabrication par l'idéologie collectiviste, notamment à l'époque Khmer Rouge. La désempathie est présente chez Doug, qui a tué en lui toute identité personnelle au profit d'une identification avec une identité collective. Hier, le communisme, aujourd'hui, le christianisme. Mais en même temps, elle ajoute ceci, mais il est à noter que cette désempathie n'est pas absolue ou totale. Là aussi, nous avons constaté une évolution de cet aspect-là qui était très présent, notamment encore au début du rapport d'expertise. En ayant terminé avec ces considérations-là, je veux à ce stade de mes explications aborder
une réflexion. Vous livrez une réflexion. Que j'ai déjà un peu abordé. Est-ce qu'il n'est pas facile, trop confortable de vouloir considérer Doug comme un monstre, un pervers qu'on va mettre à l'écart de la société définitivement, parce que réclamer 40 années de prison, c'est qu'on n'a même pas le courage de dire que c'est une sanction à vie. Parce que 40 ans de prison quand on a 66 ans, ça veut dire une peine de prison à vie. Il faut appeler un chat un chat. Alors est-ce que ça n'est pas un peu confortable? Je l'ai évoqué ce matin. Est-ce qu'on va devant ce tribunal s'arrêter toujours au même poncif? Il a commis des crimes, il doit être condamné, et la société ira beaucoup mieux, et pire encore, et ça ne se reproduira plus. Eh bien, je vous dis, ça se reproduira tant qu'on n'aura pas abordé avec lucidité les phénomènes qui mènent un homme normal à devenir un jour un bourreau. Ce phénomène, c'est effectivement ce que Chandler a abordé avec courage, ce crime d'obéissance. Un grand philosophe du XVIe siècle, Étienne de la Boétie, a écrit un petit ouvrage, Discours sur la servitude volontaire, déjà au XVIe siècle, sur les tyrans. Et déjà, il nous disait, soyez résolus à ne servir plus. Et vous voilà libre. J'espère que dans votre décision, vous aborderez ces réflexions-là. Voyez-vous, je vous dois un éclaircissement. Il y a maintenant 35 ans que devant les tribunaux, je défends le thème de la désobéissance civile. Je défends des citoyennes et des citoyens qui volontairement désobéissent à des lois, toujours de manière non violente, pour obliger les lois à changer. C'est une pratique que vous connaissez très bien au Cambodge, puisque vous n'êtes pas très loin de l'Inde. C'est la pratique, pour ne pas dire la stratégie, mise au point par le Mahatma Gandhi. C'est la pratique si bien décrite par Hannah Arendt. Et oui, elle n'a pas seulement écrit sur Eichmann, elle s'est posée aussi les bonnes questions en disant, quand les situations sont bloquées, alors il faut que les citoyens se lèvent, se révoltent, mais de manière non violente, et désobéissent aux lois. Alors, il faut apprendre à désobéir. Ah, c'est pas facile.
comment José plaidait dans un tribunal qu'il faut apprendre à désobéir. Eh bien, je le plaide depuis 35 ans. Et depuis 35 ans, quelle ironie du sort, je le plaide en m'inspirant de cette expérience de 1000 grammes faite aux États-Unis. Et donc David Chandler est venu vous parler. 35 ans que j'ai entendu parler de cette expérience terrible où on a pris des citoyens américains comme vous, comme moi. On les a mis dans une pièce. On lui a dit, tu vois derrière la vitre, celui qui est là est en train de mentir. Il a des électrodes. Toi, tu as un bouton. Chaque fois que tu vas lui poser une question et qu'il va mentir, tu vas lui envoyer de l'électricité. Et tu auras à côté de toi un instructeur en blouse blanche qui va te dire, tu peux y aller. 60% des personnes, comme vous, comme moi, parce qu'ils ont obéi aux ordres de la personne en blouse blanche, ont appuyé jusqu'à la dose mortelle. Et de l'autre côté, c'était un acteur qui jouait le rôle. Terrifiante expérience. 35 ans que je dis devant mes juges en France, voilà messieurs les juges, il y a des fois où il faut savoir désobéir. Quand je le dis en France, je parle de notre ancien président de la République, le général de Gaulle, qui a désobéi, qui est parti en Angleterre, organisé la résistance et qui a été condamné à mort par les tribunaux français. Vous avez ici, dans ce pays, un homme, aujourd'hui Premier ministre, qui a désobéi parce qu'il a su qu'il fallait désobéir à ce régime criminel des Khmers rouges. Et pourtant, combien de temps faudra-t-il encore pour que cette nécessité de désobéissance passe dans les esprits? J'entendais le président Obama récemment. J'entendais, devrais-je dire, avec une immense tristesse, le président Obama parler des militaires américains qui avaient obéi aux ordres en Irak, aux ordres de torturer. Et le président Obama a dit, ceux qui accomplissaient leur tâche de bonne foi, suite au conseil juridique du département de la justice, ne feront pas l'objet d'enquêtes judiciaires. Qu'il est long le chemin, Madame, Messieurs, pour que pénètre dans les consciences le cri d'Antigone répondant à Créon, je ne pensais pas que tes injonctions fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois, aux lois non écrites des dieux. Comme résonne en écho la voix d'Albert Einstein, ne faites rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. Et je repense à la parole de Vanat dans le merveilleux film de Ritipan, S21. Vanat qui demande aux gardiens, mais où aviez-vous mis votre conscience? Seulement voilà, si on n'apprend pas à désobéir en démocratie, qu'est-ce qu'on fera dans une dictature?
Seulement voilà, parler de désobéissance, ça nous renvoie tellement à nous-mêmes, à ce que nous vivons tous les jours. Comment fonctionne dans n'importe quel état démocratique toutes les armées, ou plus simplement toutes les administrations, et plus simplement toutes nos sociétés, à toutes les échelles, vous avez un chef qui reçoit des instructions et un chef qui donne à ses subordonnés des instructions. Vous le savez bien. J'ai même entendu dans cette salle d'audience des gens disant à la chambre, je ne peux pas vous répondre, je dois aller demander à mon supérieur. Mais oui, c'est comme ça qu'on fonctionne tous. Nous fonctionnons tous comme ça. J'espère que vous aborderez ces questions dans votre décision. Crime d'obéissance. Voyez-vous, le crime commis par Douk est selon moi avant tout un crime d'obéissance. Je devrais d'ailleurs dire plutôt un crime de soumission, mais ce serait un autre débat. Ça vous intéressera peut-être de savoir que obéissance vient du latin qui signifie écouter et adhérer personnellement. C'est-à-dire que l'obéissance normalement implique elle-même la possibilité de désobéir si je n'adhère pas. Mais le crime commis là est plutôt un crime de soumission. Et oui. Et donc, après avoir été pendant 35 ans l'avocat de gens qui désobéissaient à la loi, j'ai donc été commis d'office pour quelqu'un qui avait obéi servilement. Mais c'est vrai que l'autre question que cela nous pose forcément quand on aborde ces rives, c'est celle qui a été abordée par David Chandler. Je ne me suis jamais trouvé dans une telle situation, mais qu'aurais-je fait? Et je sais que vous vous poserez forcément la question. Même Craig Hutchison a essayé d'éviter la réponse, mais il a bien dû reconnaître que ce n'était pas simple, sous-entendant qu'on a toujours le droit et le choix de mourir. Souvenez-vous, David Chandler, après nous avoir entraînés dans cette réflexion, cite cette phrase de Zygmunt Bauman, Zygmunt, Z-Y-G-M-U-N-T pour les interprètes, Bauman, B-A-U-M-A-N. L'information la plus effrayante tirée de l'Holocauste et de ce que nous avons appris de ses auteurs n'était pas la probabilité que cela pouvait nous être fait, mais l'idée que nous puissions le faire, que nous puissions le faire. C'est toute la thèse de Bizot. J'ai vu l'homme derrière le bourreau. Et cette dernière phrase du livre de Chandler, qui me paraissait pour ma part être le point central de notre procès. Et c'est ce point-là auquel j'aurais voulu qu'en concertation avec les procureurs, l'on travaille pour le bien de ce pays et au-delà. C'est ce point-là pour trouver, dit Chandler, la source du mal mis en œuvre chaque jour à S21, nous ne devons finalement
pas regarder plus loin que nous-mêmes. Terrifiant. Mais on est si loin de l'image facile du bouc émissaire que je vais renvoyer dans le désert pour me sauver moi. Après ces réflexions, mais après tout, on peut faire un peu de philosophie du droit dans une enceinte de justice. Je voudrais faire juste quelques réflexions sur le droit, sachant que notre court-mémoire de 16 pages que tout le monde a pu apprécier vous renvoie à d'autres mémoires que nous avions déjà déposées et nous n'avons pas estimé nécessaire du côté de la défense d'alourdir encore et encore les débats en répétant toujours les mêmes choses. Vous vous reporterez donc à notre mémoire pour ce qui est de l'entreprise criminelle conjointe. Nous avons déjà dit beaucoup de choses. Je veux juste encore dire une chose. Je n'imagine pas un seul instant que votre chambre puisse décider que Douc a commis ses actes dans le cadre d'une entreprise criminelle conjointe avec des personnes que vous avez entendues ici comme témoins et à qui vous n'avez pas donné la possibilité de se défendre, je dis bien de se défendre de ce chef. Je pense que vous l'avez compris, aucune sympathie pour ceux qui continuent aujourd'hui à nier les crimes d'hier, comme M. Mamnaï. Mais auxiliaire de justice, je ne peux pas accepter que quelqu'un retrouve son nom dans un jugement en disant « Monsieur, vous avez fait partie d'une entreprise criminelle conjointe et vous n'avez pas eu la possibilité de vous en défendre. » C'est impossible. Et je rappelle d'ailleurs qu'un texte prévoyait que si c'était le cas, il appartenait au bureau des coprocureurs de demander un huis clos pour que ces personnes puissent se défendre à huis clos des accusations dont elles étaient l'objet. Vous ne l'avez pas fait, la Chambre rejettera évidemment cette notion d'entreprise criminelle conjointe. Même si elle est chère à notre président du tribunal du Liban, qui en a été le promoteur devant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, en l'espèce, pour le dossier numéro 1, vous la rejetterez. Je voudrais attirer votre attention sur la décision de la Chambre préliminaire du 5 décembre 2009, et je l'ai indiqué dans mon mémoire, qui a dit que Douc ne pouvait pas être poursuivi pour avoir lui-même commis les crimes de torture. Je suis extrêmement surpris que hier encore, le bureau des coprocureurs vous ait demandé la condamnation de Douc pour un crime pour lequel il n'est pas poursuivi. Il est poursuivi pour avoir incité, il est poursuivi pour avoir ordonné, mais la Chambre préliminaire a dit qu'il n'est pas poursuivi pour, au titre de la commission. Et puis, dernier point de droit que je veux évoquer avec vous, qui me préoccupe, c'est avant tout un problème de traduction, mais qui en dit long, à propos de la règle 87 du règlement intérieur. Le premier paragraphe de la règle 87 se lit ainsi dans la version française. Et je demande aux interprètes de le traduire littéralement, s'il vous plaît.
Pour condamner l'accusé, la Chambre doit avoir l'intime conviction de sa culpabilité. Dans la version anglaise, il est indiqué que pour condamner l'accusé, sa culpabilité doit avoir été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. C'est une mauvaise traduction. Ce sont deux systèmes de droit absolument différents. Même si, à la fin du jour, j'imagine qu'un juge de common law va apprécier le au-delà de tout doute raisonnable selon son intime conviction. Mais les systèmes de preuves ne sont pas les mêmes. Et je vous ai entendu, mes collègues du bureau de procureur, parler sans arrêt. Je dois prouver au-delà de tout doute raisonnable. Je vous réponds, non. Ce n'est pas le texte. C'est une mauvaise traduction du français à l'anglais. Tandis que, dans le code de procédure pénale cambodgien, l'article 321, deuxième paragraphe, dit ceci: le tribunal apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont soumises en fonction de son intime conviction. Et là, par contre, la version anglaise est correctement traduite: following the judge's intimate conviction. Ce qui a été correctement traduit dans le code de procédure pénale cambodgien est mal traduit dans le règlement intérieur. Et cela aura forcément des conséquences pour vous quant à l'analyse de la preuve. Je rappelle qu'il est indiqué, je crois que c'est à l'article 88 du règlement intérieur, que l'aveu est un des moyens de preuve. Et donc, l'aveu, les aveux de l'accusé, vous les examinerez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, selon votre intime conviction. Alors, Monsieur le juge Lavergne, je vais lire un passage que vous connaissez très bien. Dans le code de procédure pénale française, vous m'excuserez cette référence à mon droit national, mais c'est un texte tout à fait étrange dans un manuel de droit qui élève le droit au niveau du spirituel. Et je l'aime beaucoup. C'est l'article 353 du Code de procédure pénale français qui dit ceci: avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est en outre affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations. La loi ne demande pas compte au juge des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison
les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Il me reste deux points. Monsieur le Président, j'aurais peut-être à vous demander une toute petite prolongation. Il me reste deux points. Quelques éléments sur la personnalité de Duc. Et puis, bien entendu, merci, Monsieur le Président. Sur la personnalité de Duc, nous avons déjà dit beaucoup de choses. Je voudrais vous renvoyer, moi aussi, au livre de François Bizot et sur d'autres citations que celles qui vous ont été présentées par la partie adverse. Partie la fleur au fusil, dit Bizot, et le cœur gorgé d'espoir. Il s'était plongé dans un monde primitif rempli d'épouvante. Et tel l'enfant s'aventurant au milieu des loups, dont il avait dû, pour survivre, laisser l'instinct remonter en lui. Dès ce moment, la terreur avait été toute puissante. Elle avait pris, pour l'attirer, le visage de l'ordre et de la morale. Nous avons souhaité vous faire entendre un certain nombre de témoins, je n'y reviens pas, vous les avez tous en mémoire. Tous ces témoins qui sont venus vous dire qu'avant le Kampuchea démocratique, Duc était un homme humble, simple, généreux, respectueux, honnête, calme, doux, gentil. Les mots que j'ai extraits de leur déposition. Ensuite, dans les années 90 qui ont suivi, nous avons entendu les mêmes choses. Et je vous renvoie au livre de Nick Dunlop, à la page 256 de la version anglaise. Selon un membre du personnel de l'ARC, Duc a joué un rôle clé en empêchant une épidémie de typhoïde de se répandre dans le camp, sauvant par là un nombre indénombrable de vies. Quel destin! Quel destin! Le bourreau, comme on l'appelle, de S21, qui quelques années plus tard sauve un nombre indénombrable de vies. Je voudrais insister avec les experts psychiatres sur le chemin dans lequel est engagé l'accusé. Ils vous disent, nous pensons qu'il y a une réelle question de la part de l'accusé. Il y a une reconnaissance
Mais il y a aussi le fait de se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour réparer. Et la question de la réparation est chez lui une question. Et nous avons conclu avec mon collègue que ce n'est pas une question de circonstance. Ce n'est pas une question stratégique. C'est une question réelle. J'ai interrogé, comme vous, Madame Sironi, sur ce processus de reconnaissance. Et elle dit, il peut y avoir dans un premier temps un déni, une volonté de non-reconnaissance. Je parle bien de mécanismes psychologiques, mais je veux surtout insister sur le fait qu'il bascule tout de suite dans l'auto-accusation. Et elle le cite, « Je suis un criminel, je me sens coupable, comment faire ?» J'ai posé la question à Mme Sironi, mais est-ce qu'il n'est pas difficile de reconnaître? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que peut-être il refuse de reconnaître? Et elle nous dit, mais bien sûr, tout ça est un processus. J'ajoute même à l'attention, à votre attention à vous, mais peut-être plus encore à l'attention des victimes, que c'est là quelque chose de parfaitement repéré en psychiatrie que l'on appelle les troubles de stress post-traumatique, particulièrement fréquents chez les soldats ayant vécu des situations de guerre. Et l'on dit ceci, l'évitement de la réalité, donc, l'évitement est un des symptômes. L'individu tente d'éviter les situations et les facteurs déclencheurs qui pourraient lui rappeler l'événement traumatisant. Il aura tendance à éviter d'en parler pour éviter d'y être confronté directement. Cela peut conduire jusqu'à une amnésie partielle ou totale de l'événement. Un autre aspect de l'évitement est l'émoussement des émotions qui peut aller jusqu'à une insensibilité émotive. Je voudrais, vous n'êtes pas obligé de me croire, les partis civils, mais je voudrais dire que je suis pour ma part convaincu que si Duc a dit l'essentiel, il y a encore des choses qu'il ne nous a pas dites et qui, pour certaines d'entre vous, sont essentielles. Et je l'entends parfaitement. Il a dit l'essentiel sur l'ensemble des crimes, mais il reste des questions. Maître Studzinski a essayé d'en savoir plus. Nous n'y sommes pas parvenus. Est-ce que nous sommes dans un processus d'évitement? Je l'imagine. Vous avez vu les émotions que cela a déclenché, tant chez Mamnaï que chez l'accusé, quand on parle du professeur Pouton. Qu'est-ce qui se joue? Je n'en sais pas plus que vous. Je constate. Alors oui, il y a sans aucun doute encore des zones d'ombre. Quand je dis l'essentiel a été reconnu, c'est-à-dire là, son crime, ses crimes sont reconnus. Mais oui, il y a peut-être encore des choses qui sont difficiles à admettre. C'est là le chemin. Les experts vous disent, nous avons cherché à savoir s'il y avait manipulation de la part de Duc, et nous pouvons répondre que non.
À aucun moment, nous n'avons eu l'impression, même pour l'étayer, qu'il y ait eu manipulation de sa part. Alors la paix. La peine se déterminera sur la base de tout ce que vous aurez entendu. Se déterminera sur la base des circonstances atténuantes. L'ordre des supérieurs, nous le savons, n'est aucunement une cause d'exonération de culpabilité, mais depuis Nuremberg, depuis ce qui est inscrit dans les textes de nos juridictions pénales internationales, l'obéissance à l'ordre des supérieurs est incontestablement une circonstance atténuante. Qui peut encore nier que dans la hiérarchie du Kampuchea démocratique, Duc a été dans cette chaîne de commandement, ce qui lui a fait dire « J'étais à la fois le serviteur et l'otage de ce régime et j'assume mes propres responsabilités ». C'est une circonstance atténuante. L'autre circonstance atténuante que vous retiendrez, c'est bien entendu les remords exprimés. Vous les avez entendus, je les ai rappelés, je n'ai pas besoin d'y revenir. La coopération. Savez-vous, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, qu'à l'heure où nous parlons, Duc continue sa coopération avec les bureaux des coprocureurs dans le cadre du dossier numéro 2. Savez-vous qu'il y a encore 15 jours, nous étions ensemble chez les co-juges d'instruction, qu'il a continué à coopérer, qu'il a répondu à toutes les questions et des juges et des procureurs. Savez-vous que la semaine prochaine, il y sera encore? Je regrette que n'ait pas été mis plus en avant par le bureau des coprocureurs, cette coopération tellement utile, comme on l'a entendu ce matin dans Obrenovitch, tellement utile pour la justice. L'amendement. Nous avons demandé aux experts s'il était réinsérable. Vous vous souviendrez qu'ils ont dit Duc est réinsérable. Alors, quel est l'objectif de la peine? Punir les crimes commis, bien entendu. Mais, sauf erreur depuis bien longtemps, les juristes du monde entier ont décidé que la peine a aussi pour vocation la réinsertion. Est-ce que, dans le cadre d'un crime contre l'humanité, la réinsertion serait bannie? Je me souviens de Mme Lefebvre qui est venue dire sa souffrance, sa douleur. Elle a émis une suggestion intéressante. Je verrai très bien il est dit dans le transcript le cas numéro 1. Parlons de Duc, bien entendu. Je verrai très bien Duc travailler comme cantonnier sur les sites de Chung Egg et S21
afin que ce soit des endroits dignes. J'ai vu des papiers, des canettes. Je trouve que ça n'est pas propre. J'attends également du tribunal un impact pédagogique sur la jeune génération, afin que cette jeune génération intègre bien que ce sont des Khmers qui ont tué d'autres Khmers et qu'il n'y a pas de place pour le négationnisme. Oui, Madame Lefebvre, quelle belle idée. J'ajouterai que plutôt que de faire de Douc un cantonnier, moi je le verrai bien. Oui, je le verrai bien à Tchoumèque, en train d'expliquer aux jeunes générations ce qu'il ne faut pas faire, en train d'expliquer aux jeunes générations que oui, on peut prendre une décision un jour, et qu'on a toute sa vie pour le regretter. Je l'ai dit ce matin, nous ne sommes plus tout à fait, depuis hier soir, dans le cadre d'un plaidoyer de culpabilité, nous sommes plutôt dans le cadre de la jurisprudence Albert Speer. Albert Speer, ancien ministre de la Défense, bien plus hautement positionné que Duc. Bien plus hautement positionné que Duc. Ancien ministre de la Défense d'Hitler n'a pas plaidé coupable à Nuremberg. Mais il a reconnu sa responsabilité. Il n'a pas plaidé coupable. Mais il a dit « je suis responsable ». C'était la raison pour laquelle nous avions demandé à l'ancien procureur, Monsieur Henry King, que je suis allé rencontrer dans son bureau. Nous lui avons demandé de venir témoigner ici de la jurisprudence Albert Speer. La mort nous l'a arraché avant. Il disait dans la lettre qu'il nous avait adressée, je pense que la reconnaissance de culpabilité d'Albert Speer a joué un rôle dans la détermination de sa peine, qui a été une peine de prison et non la pendaison. Mais je ne peux produire aucun document étayant cette opinion. À l'époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles le procureur en chef américain Robert Jackson, attaché de la valeur à la reconnaissance de culpabilité d'Albert Speer, et j'ai moi-même entendu dire qu'il estimait qu'Albert Speer était le meilleur d'un mauvais lot. Albert Speer a été condamné à 20 années de prison. Obrenovitch a été condamné à 17 ans de prison. Nous ne sommes pas dans des crimes de droit commun. Nous ne sommes pas dans des crimes où l'accusé commet des crimes de série pour son intérêt propre. Nous ne sommes pas dans ces questions. Alors, est-ce que Duc peut encore être utile pour l'humanité? C'est ça la question que vous poserez. Nous considérons ici au banc de la Défense que non seulement Duc a fait 10 ans de prison déjà, mais que comme l'a rappelé le procureur, il a également été fugitif pendant 20 ans. Pendant 20 ans, entre 79 et 99. Ça fait 30 ans déjà que cet homme n'est pas un homme libre. Et encore, bien plus, si on rajoute les années d'avant le crime et les années des crimes. Mais je m'en tiens, si j'ose dire, à l'après-crime, 30 ans que cet homme n'est pas un homme libre. Tenez en compte. Comment tiendrez compte des juges d'application des peines, mais qui n'existent pas au Cambodge? Monsieur le Président, il me reste 10 minutes. Si je peux terminer avant la pause, je souhaiterais, si vous m'y autorisez. Ambré, j'ai dit que je n'ai pas de temps, mais je n'ai pas de temps.
Je vous remercie, Monsieur le Président, et j'arrive donc au terme de mes explications. J'ai discuté l'autre jour avec un Cambodgien qui me disait, chez nous les bouddhistes, nous disons que le mal que tu fais, tu le reçois en retour. Il me disait, Duc a déjà payé le mal qu'il a fait. Renvoyez-le chez lui. C'est ça que j'ai entendu. Il a payé le mal qu'il a fait. Renvoyez-le chez lui. Nous arrivons au terme de ces plaidoiries. C'est toujours un moment difficile pour l'avocat. C'est le moment où l'avocat va se taire. Le moment où il se demande, ai-je bien tout dit? Ai-je fait assez? Notre parole d'avocat s'arrête à la porte de votre salle de délibération. Et vous n'aurez plus pour vous guider que ce texte. Quelle impression ont fait sur vous, juge, les moyens de défense de l'accusé? Alors, quelques mots encore pour terminer. Dans le roman de Somanos Sar, L'ombre d'un doute, j'ai extrait cette phrase de Nora à sa cousine Karen. Elle lui dit, grâce à toi, une part de Sofana continue à vivre en toi, en nous. Et jusqu'à notre dernier souffle, elle sera là dans nos plus beaux souvenirs. Aucune cruauté ne saurait les anéantir. Puis, un autre livre que je voudrais feuilleter avec vous, tellement pour moi, il est l'épilogue de ce procès. Cambodge, les clés d'un royaume. D'un Français marié à une Cambodgienne, père d'enfants cambodgiens. On y voit, à travers de merveilleuses images, un Cambodge magnifique. Aussi un Cambodge blessé par une période noire, ou plutôt rouge sang. Mais un Cambodge qui ne se résume pas à cette horrible tragédie. On y voit un Cambodge qui retrouve ses merveilleuses couleurs, ses merveilleux sourires, ses danses légendaires. Un pays où la vie a le dernier mot. Je souhaite que ce soit la conclusion de ce tribunal quand il en aura fini avec ses procès. Je souhaite que, comme dans ce livre, le Cambodge ne soit pas réduit, enfermé dans cette sinistre période. Personne n'oubliera. La mémoire restera vivante. Mais, comme le dit Monsieur le Vice-président,
du tribunal du Liban pour vous, comme le dit le poète libanais Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées. Vous pouvez essayer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Car la vie ne va pas en arrière ni ne s'attarde avec hier. Encore deux mots avant que nous remettions tout entre vos mains. C'est une histoire comme les Cambodgiens en racontent, mais une histoire universelle. C'est l'histoire d'un sage. Il peut être un imam, il peut être un rabbin, un philosophe, un moine bouddhiste, que sais-je. Il enseigne à ses disciples et il leur demande: comment voit-on que l'on passe de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière? Alors un disciple: quand on commence à distinguer la couleur des feuilles du tamarinier, non. Quand on commence à apercevoir dans le lointain les monts des Cardamones, non. Quand, dans le regard de l'autre, tu peux reconnaître ton frère. Donc, toutes vos victimes étaient vos frères et sœurs en humanité. Vous avez dit que vous avez été lâches et que vous n'avez pas osé aller les voir en détention. À vue humaine, vous ne serez jamais absous pour ces crimes. Et leur regard, celui que vous n'avez pas voulu croiser, vous regardera toujours. Mais nous, mesdames et messieurs les juges, est-ce que nous sommes prêts à regarder Douk dans les yeux et à reconnaître en lui notre frère en humanité? Et la question finale qui vous est posée: est-ce que par votre décision, vous ramènerez Douk dans l'humanité? Un dernier mot. Douk est mort. Aujourd'hui, il s'appelle Keng Kekyu. Il n'est plus le Douk révolutionnaire. Je vous remercie. ឥឡូវនេះដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាប់ល្មមដូច្នេះអង្គខ្ញុំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 3:10 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការសូមអញ្ជើញក្រុមជើង